Depuis ce lundi, la zone de Gatumba est inondée. C'est pour une énième fois que cette localité de la commune de Mutimbuzi, province de Bujumbura, connaît une situation pareille. Les habitants ont érigé de petits abris le long de la route principale, mais la police leur demande de regagner leur site déplacé. Certains essaient de vendre du poisson pour se vivre. Selon eux, le gouvernement a promis de faire une digue pour les protéger contre les crues de la rivière Lusizi, mais les habitants commencent à perdre espoir. Nos biens ont été emportés par les eaux. Nous n'avons pas d'eau couverture ni d'eau moustiquaire. Nous allons mourir de faim. Que la digue soit construite, nous sommes fatigués. Est-ce que Gatumba a été délaissé? Et nous les habitants, où est-ce que nous irons? En 2021, Gatumba et Rukaramu, deux zones de Mutimbuzi, ont enregistré plus de 30 000 déplacés à cause des inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika et aux crues de la Rusizi.